Désolé Patoun. Salut Serenity, comment tu vas? Je me demande, je pense qu'on va pas être excessivement nombreux aujourd'hui, mais tu m'entends bien? Ouais, c'est ok. Je pense pas qu'on soit excessivement nombreux, mais bon, écoute, ce sera déjà ça. Je t'entends, c'est ok. Ok, t'as passé une bonne journée? Ça va et toi? Écoute, ça va bien, merci. J'ai passé une journée correcte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé un peu. J'ai regardé Twitch, mais ça a bugué. J'ai fait 2-3 trucs. Voilà. Et le petit poilu va bien. Tout à l'heure, il m'a fait peur. Il y a eu un bruit encore une fois sur le fond vert, mais je l'ai regardé, il s'est rien passé. Il a dû sauter et se prendre la patte dedans et voilà. Salut Evie, comment tu vas? Mais sinon, il va bien. Sinon, objectivement, il va bien. Il va bien et voilà. Après, non, c'est pas ça que je voulais. Après, en vrai, de manière générale, il va bien aller. Hein. C'est juste que va falloir surveiller quoi. Mais je vous avoue quoi, il m'a fait un peu peur. C'est vrai. Ces derniers jours, ça m'a fait un peu peur. Donc comme je vous disais hier, faut que j'essaye de la voir en film, comme me disait le veto. Si jamais il me refait une crise, faut que j'essaye de le filmer. Mais bon, j'espère qu'il va pas m'en faire une. Puis bon, je sais pas jusqu'à quand ça va durer. J'ai bossé au matin, je suis rentré, j'ai mangé, puis j'ai été repassé. Ah bah très bien. Puis du ménage, une bonne grosse douche et maintenant je fais mes ongles. Mais je vais bientôt aller préparer le repas. Ok, très bien. Bah oui, c'est vrai qu'il est bientôt 18 h. Dans 4 minutes, pile, il est 18 h. Et tu as mangé quoi? C'est normal que ça devienne noir de temps en temps, c'est juste que je veux mettre des filtres. Masque d'image. Hop, parcourir. Alors, je sais plus où c'est. Toujours pas trop la grande forme, mais je fais aller. Je viens de finir de déposer une réclamation pour mon jeu Cérébral Academy. Toujours bloqué au bureau de poste depuis 3 jours. Leur excuse, on est en retard. Non mais sérieusement. Non mais vraiment, les facteurs, les livreurs, je te jure, hein, franchement. Les livreurs, c'est... Objectivement, moi je trouve que c'est les pires. Hein. C'est vraiment les pires. Bon, en fait, je sais plus où c'est. Je voulais faire un truc, mais je sais plus où c'est. Je voulais faire un filtre pour qu'on voit mieux. Mais je sais plus où c'est. Tant pis, c'est pas grave. Ça dépasse un peu sur le côté en haut, on s'en fout. Bah, désolé pour Cérébral Academy, il fait chier. Et du coup, c'est quoi le... Tu crois qu'ils vont te le renvoyer? C'est chiant. Même comme j'ai mangé tard, je vais souper un peu plus tard. Le reste de Ratatouille d'hier avec le cordon bleu. Bon, bah, très bien. Mais c'est marrant parce que tu prévois souvent ce que tu vas manger le soir, t'as des envies, vous avez des envies vous? Genre, ah ben ce soir je vais me manger ça. Moi je sais jamais, à moi, des fois j'ai des envies, genre ce soir il me faut absolument que je mange ça, mais souvent c'est des trucs de merde, genre de la malbouffe. Après, pour ce qui est de ce que j'ai chez moi, en général, je sais pas trop, tu vois. Ah mais en fait c'est bon. Est-ce que j'étais décalé? Voilà. Parfait. Mais voilà. Ah non, bah non, pas voilà. Yes, ça bug. À force de faire des... Putain, je suis con. Je sais que tout soit parfait, mais j'y arrive pas. Projecteur de sortie. Voilà. Voilà. Normalement, il me le livre demain. Bah j'espère. J'espère bien, hein, j'espère bien. C'est un enfer. J'ai pas mis des pauses. Si, ouais, j'ai mis des pauses là, en fait. Attendez, on va reload. Parce que c'est pas dans 2 minutes, c'est maintenant. Ah bah non. Il va y avoir... ok, bon. Je fais des menus par semaine et je switch selon mes envies. Et parfois, je zappe un peu. Je zappe un menu et je reporte à la semaine suivante. D'accord, c'est drôle. C'est drôle, tu es trop organisé. Ouais, de fou. Hein. Oh, elle est là. Elle est là. Salut Gabiscuit, ça va bien? Ça va mieux côté ton mec et tout? Ça dépend des jours, mais en ce moment, je mange à l'arrache. Du coup, je vais me motiver ce week-end et préparer des plats pour la semaine. Ouais, comment on appelle ça? Du batch food ou un truc du genre. Vous avez du courage, hein. Mais moi, déjà, j'ai pas le courage de faire à manger le soir. Alors, faire à manger un soir pour 7 soirs... Hmm. Bon, par contre, dans 25 secondes, peut-être qu'on va être absolument trop déçus et qu'il n'y aura rien de cool. Hein. Préparez-vous. Ça se trouve, on va avoir des trucs de fou et ça se trouve, on va avoir des trucs de merde. Donc voilà, en général, Indie World, voilà. Vous attendez des trucs en particulier ou pas? J'avoue, me dire, c'est aussi comme ça qu'on fait des économies. Non, mais c'est pas faux. Hein. En vrai, vous avez totalement raison. Hein. Vous avez totalement raison. D'économie de temps, d'argent, de tout, clairement. Après, moi, j'avoue, j'ai du mal. J'ai du mal à avoir le courage, quoi. Susceptible de changer à cause du coronavirus. Vous connaissez le coronavirus? Vous savez ce que c'est un peu ou pas? Vous voulez que je vous en parle? Je me suis un peu renseigné sur la question. C'est un peu chiant. On s'en fout. On est ensemble, j'avoue. Ça t'en rien, mais si on découvre de belles choses, c'est toujours bien, ouais. Ouais, j'avoue. Moi, j'espère, je rêve qu'ils nous annoncent un DLC à Death Door, mais bon, à mon avis... Ça m'étonnerait. The Messenger, je l'ai pas fait, mais c'est très sympa comme jeu. En ce moment, je dépense pas trop. Je mange des pâtes quasi nature, donc je fais des économies. Mais bon, il faudrait que je remédie à ma flemme. Ah, c'est par flemme? Ou c'est parce que t'as pas d'argent? Putain, c'est beau, hein. On parlait des pixels l'autre jour. Les pixels, ça vieillit pas. Regarde. Ça, en 3031, ce sera toujours aussi beau qu'en 2021. Les pixels, c'est toujours aussi beau. Moi aussi, je mange pas mal de pâtes. Je connais le corona, mais pas le coronavirus. La corona. J'aime pas trop la bière, moi. À part les bières aromatisées. Faut que j'aille faire chauffer mes lasagnes. Je prends mon ordi avec moi. Ok. Bah, trop cool, les lasagnes. Ça plaira à pas peur, ça. C'est joli, en tout cas. Possible de mettre un poil plus fort? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça va couper 2 secondes l'image. Ah non, même pas. Ah si. Ah non, mais... Tu m'étonnes que vous entendez pas. Là. Tu m'étonnes. Là, vous entendez, là. En fait, sorry, j'avais même pas mis le son. En fait, vous entendiez via mon casque à moi qui était très fort. Mais là, vous entendez, rassurez-moi. C'est super joli. Ouais, c'est grave joli. Non, c'est plus parce que j'ai du mal à cuisiner. Ah oui, ma pauvre. Ah, ils ont travaillé sur Chrono Trigger et Xenoblade. Putain, c'est beau en tout cas. Hein. Après, si c'est un RPG, ça me saoule. Rassurez-moi, vous entendez bien, là? C'est mieux le son, oui. Ouais. En fait, c'est parce que vous entendiez via mon casque, genre juste en écho. C'est normal que vous entendiez pas très fort. Tu m'étonnes. J'avais pas mis le... Y a pas d'écho ni rien? Vous entendez bien, là? Tu me dis pas très bien, mais c'est mieux. Ça va quand même, on entend bien, non? Je peux vous remettre un peu plus fort, hein, si vous voulez, mais... Oh, les chauds. C'est beau. Là, je perds la connexion internet dans tous les couloirs. C'est le problème de traverser des couloirs. Quelle idée de traverser des couloirs aussi. Enfin, quelle idée. Ce jeu me tente bien. Le Holy Show, ouais, il a l'air joli. Hein. Sachez que tous ces jeux-là qu'on voit, à mon avis, ils sortent sur Switch, mais aussi sur PC, hein, sur Steam. Voire certains pour le Game Pass, sur Game Pass. Oh d'ailleurs, à propos de Game Pass, je vous parlerai d'un jeu après. Ah, c'est Alisha, pas Holy Show. On dirait de dos, on dirait la nana de Horizon. Ah, oh, solo ou coop local, pourquoi pas en ligne. On aurait pu faire ça avec Bobo. Putain, c'est joli, hein. Quelle idée, bah ouais, attends, les couloirs. Quelle idée de traverser des couloirs. Enfin, qui traverse des couloirs encore en 2021, je veux dire. Enfin, il y a un moment où il faut savoir ce qu'on veut. Allez, en tout cas, ça a l'air très sympa. Putain, j'espère qu'il va sortir sur Steam et qu'on va pouvoir jouer ensemble avec Bobo. Nintendo et le online. Bah, c'est le problème en fait, c'est que le online. Tu vois, Bobo, je lui ai proposé de faire Kiwi en coop sur Switch. Il m'a dit, ouais, non, je préfère sur PC. C'est vrai en fait, c'est relou en online Switch. On dirait Urbosa. On dirait un peu Urbosa, mais on dirait aussi. Mais vous savez, la rousse, on dirait la nana de Horizon, Aloy. D'ailleurs, à Horizon, on se le fera totalement. Hein. Putain, c'est pas mal, Alisha, hein. Franchement, je retiens. Au pire, on peut le faire en solo. Donc. Ça me dit un truc, Loco Motive. Ça n'existait pas déjà? Encore du pixel, non? Ça me disait rien. C'est quoi, c'est genre Cluedo? Ah, ça peut être sympa ça. En vrai. Ça doit être un point and click, un peu... un peu enquête et tout. Genre Mystery Town là qu'on avait fait. Enfin, je sais pas si vous étiez là, mais... Ah, ça a l'air sympa. De toute façon, tout ce qui est pixel en général... Ah, c'est Chucklefish. Chucklefish, ils sont trop forts. Ceux qui font plein de jeux. Genre plein de jeux. Je suis sûr que vous avez déjà vu ou fait des jeux de Chucklefish. Ça me plaît bien comme si... Ouais, ça a l'air sympa. En plus, en stream, ça doit être sympa. Genre, on cherche les indices ensemble et tout. Mais là, ils ont repassé, là. C'est la même chose, là. Ah, sympa le logo. Le O, le deuxième O. Ah, mais c'est pas le jeu sur pour les LGBTQIA+. J'aime bien le design. Oh, ça doit être le genre de jeu qui doit être tout le temps en anglais. En tout cas, c'est un visual novel. Non, c'est comme ça qu'on dit, visual novel ou... Afterlove, ok. J'y étais pas du tout. On behalf of the PixelNesia team from Indonesia, I'm proud to announce our upcoming game, Afterlove EP. Pourquoi Afterlove EP? Ça me plaît moins. Pas fan des jeux de rythme. Mais c'est pas vraiment que les jeux de rythme. À mon avis, c'est juste que ça doit être des phases de rythme. Mais le fond, ça doit être plus narratif. Tu vois, aventure narrative. From the creative director of What Comes After and Coffee Talk comes a stirring narrative about love, loss, and après oui, c'est pas le genre de jeu que je vais faire. Pour ma part. Si j'ai des phases, ça doit être des mini-jeux genre. Mais j'aime bien la DA. Ouais, c'est ça, visual novel et jeu de rythme et aventure narrative. Bon, bah voilà, c'est ça, tu vois. J'adore Rhythm and Paradise. J'aimais bien aussi. Après, c'est vraiment des jeux de type très particulier, Rhythm and Paradise et compagnie. Il y avait aussi Otsuke. Wendan et tout là, c'était trop cool. Oui, tu as raison, c'est aussi narratif, je n'aurais pas ce jeu par contre. Ouais, non, c'est pas foufou, ça a pas l'air incroyable. Et encore du pixel. Pour l'instant, premier abord, ça me chauffe pas de ouf. En général, quand on a un... Ouais, non, ça va pas me chauffer. L'univers, ça me chauffe pas. Oh non, c'est pas pour moi ça. J'aime bien la DA, mais pas mon genre de jeu. Mais il est beau. Ouais, franchement, il était beau, Afterlove EP, là. Mais bon, voilà, c'est pas pour nous, hein. Ça, par contre, c'est vraiment pas pour moi. Loco Motive, ouais, très sympa. Loco Motive et pour l'instant, ouais, Alisha et Loco Motive. Plus Alisha que Loco Motive, mais Loco Motive, ça doit être un petit jeu un peu sympa. Je pense que ça se trouve, c'est procédural et j'ai pas trop vu. Ça se trouve, ça se refait à chaque fois. Oh, c'est trop barré pour moi, ça. Enfin, non, c'est pas trop barré parce que j'aime beaucoup les jeux barrés, mais là. Et puis ce jeu, j'ai l'air pas. Ouais. Dès le début, hein. Première image, j'ai vu, c'est pas pour moi. Salut Redwitch, comment tu vas? On regarde les. Ça va, merci. On regarde le Indie World, les nouveaux jeux indés. Le community, ça doit être sympa en live. Ouais, en live, voilà. Si à chaque fois il y a des nouveaux meurtres, des nouveaux machins et tout, ou un nouveau meurtrier et tout, ça peut être drôle. Et puis qu'on regarde tous entre patounes, ah bah moi je pense que c'est ça et tout, ça peut être très cool le community. Ouais. Par contre, été 2022, pas tout de suite. Hein. Ça se trouve, j'aurais déjà déménagé. Oh d'ailleurs, à propos de déménagement, cet après-midi, je me suis fait plaisir, j'ai regardé des appartes et tout, des duplex. Franchement, j'aimerais trop. J'en ai vu un, mais incroyable. Mais par contre, le prix, incroyable aussi. Après, c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Mais je m'endette sur 30-35 ans, quoi. On cherche à rajouter l'enquête ensemble. Exactement. Ça peut être très drôle, le Loco Motive, pour ça. Ça va, grosse journée. Ah ouais? Grosse journée, pourquoi? T'as fait quoi? Moi, petite journée. Hein. Cherche Paris seulement ou banlieue aussi? Banlieue aussi. J'ai tapé Île-de-France et j'ai vu un duplex à 400 et quelques mille. Incroyable. Mais pas à Paris, évidemment. Paris, c'est hors de prix. Non, non. En fait, non, pardon. Je cherche pas... Mais non, mais encore... Mais pourquoi... Mais merci beaucoup, Redwitch. Un puzzle humain. T'as fait un puzzle humain, toi? Mais tu gâtes trop, tu nous gâtes trop, hein, tu gâtes trop Tokyo. Franchement, sachez que le 24, là, je vais aller faire mon contrôle technique et je vais passer à Animalis. Je vais acheter là les trucs pour Tokyo avec tout ce que vous m'avez offert. Enfin, tout ce que vous avez offert à la chaîne. Je vais acheter plein de croquettes, plein de petites bouchées et tout. Je vous ferai une photo. Merci infiniment. Ça a l'air très sympa, ça, par contre. Merci infiniment, les patounes, pour tout ce que... Pour tous les subs, les beats et tout. Merci, Redwitch. T'as fait un puzzle humain en vrai? Putain, ça a l'air trop bien. J'aime trop ce genre de jeu. Mais ça sortira sur Steam et je le prendrai sur Steam. J'aime trop ce genre de jeu. Un peu point and click, puzzle, réflexion et tout. J'aime trop. Accident de personne. Ah! Comment ça s'est passé? C'est pas cool en vrai. Ah, mais c'est Figment! Ok! Ah oui, mais ça change totalement de Figment 1. D'ailleurs, que j'ai toujours pas fait. Démo gratuite disponible dans la journée. Il a l'air très sympa. Mais Figment, je crois que je l'ai ou quoi, mais. Mais il m'a toujours tenté, mais j'ai jamais tenté le truc. Ok, bah Figment 2 a l'air très cool. Ça se trouve, ça, bah, dans ce cas-là, je ferai le Figment 1 avant, pour arriver à Figment 2. Vous connaissiez Figment? Quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Gavisky? Tu dis pour Figment ou pour ça? C'est juste ce thé que j'ai en vrai, c'est vrai? Trop cool. C'est trop bien qu'ils fassent ça. Mais alors comment ça s'est passé, Redwitch? Je comprends pas comment t'as fait ton puzzle humain. Une version digitale du coup, trop sympa. Ah bah oui, si tu kiffes fake artist, machin et tout. Let's play. Ah bah c'est dispo en plus. Ah bah. Au taf, t'as eu un... Bah allez donc. Écoute, j'espère que ça va. Tu vas acheter. Je pense que Gabi va l'acheter. Ouais. Elle nous dira. Endling, mais attends, mais c'est le truc de renard ça, Endling. Mais oui, c'est un jeu que j'attends de ouf. Il a l'air magnifique, c'est un peu... Mais oui, en plus, regardez, il y a le renard derrière. C'est un peu post-apocalyptique et tout. Vous allez voir, attendez, c'est trop beau. Ça c'est sûr qu'on va le faire. Sur Steam ou Switch. C'est trop beau, putain. Regardez comme c'est mignon. Oh, ça va être trop bien, c'est trop mignon. Tu vois, c'est post-apocalyptique avec des renards. C'est beau, tu vas craquer. Ah là, non mais ça, c'est sûr, il est déjà dans ma wishlist depuis des mois. Incroyable, beaucoup trop beau. Trop chou. Je sais pas, je vais en parler à mon copain. Une game, ils sont sympas, oui, mais plutôt Insider. Oh, c'est magnifique. Oh. Ça, c'est totalement ma cam comme jeu. En plus, il a l'air d'avoir une vraie histoire et tout. Hein. Alors, c'est quand? Bah. Renard, de toute façon, c'est déjà gagné. Oui, de toute façon, oui. Ah, faut assurer la survie des 3 petits. Oh là là, mais comment je vais adorer! Ah, parce que j'ai fait beaucoup de jeux avec des renards. Hein. Mais alors celui-là, c'est celui qui me tentait le plus. Oh putain! Un cerf! Ah, ça a l'air trop bien. Day one pour moi. Ça va être trop triste. Ouais, je sens que ça va être triste. Oh, putain! Ah ouais, putain, s'il y a un des petits qui meurt, j'arrête le stream et j'arrête Twitch. À jamais. Hors de question que je supporte la mort d'un des petits renardos. Dépendra de printemps 2022. Oh, c'est dans pas si longtemps, c'est avril. Ok, trop bien. Oh, bah alors ça c'est Day One, le jeu de la présentation. Ah ouais, Holy World, je m'en fous un peu. Ok, il faut clip. Qu'est-ce qu'il faut clip? Vas-y, clipez ce que vous voulez. N'hésitez pas à clipper d'ailleurs de manière générale. Hein. Ça j'aime beaucoup la DA, mais c'est trop difficile à prendre en main les jeux de skate. Si un petit meurt, j'arrête Twitch. Ah oui, oh putain, j'avais oublié j'avais dit ça. Ah non mais c'est horrible, imaginez ils nous font mourir un des petits. Attendez, c'est pas possible. Imagine on arrive à la fin avec 2 petits, il y en a un qui est mort. C'est horrible, c'est pas possible pour mon petit cœur. DA sympa mais pas pour moi. Ouais, c'est très sympa la DA. Mais j'ai déjà essayé le Holy 1 là, ou je sais pas quoi, et c'est assez difficile à prendre en main. Enfin en pied du coup. Mais par contre, j'aime trop la DA. Pas pour moi non plus le skate. Après j'adorais, j'étais un énorme fan de Tony Hawk. J'avais fait énormément de Tony Hawk's... Tony Hawk's, enfin Underground c'était mon préféré. Mais je faisais les anciens aussi. J'avais fait du skate quand j'étais plus jeune. Ah putain, Endling. Oh. J'ai trop hâte. Parce que, encore une fois, j'en ai fait des jeux avec des renards. Et il y en a beaucoup qui sont cool, il y en a beaucoup qui sont pas fous. Il y en a plein en fait. Mais d'ailleurs, si vous n'avez pas fait Super Lucky's Tale, qui est dispo sur le Game Pass, C'est un jeu d'aventure plateforme à la Banjo-Kazooie, Mario et tout. C'est trop mignon, c'est super bien. Franchement, il est bien long. Ça a rien à foutre comme jeu. Il est bien long, Super Lucky's Tale, mais je vous souhaite de... Enfin, franchement, faites-le. Sinon, je mange des ANVG. Bah, c'est vraiment bon. Ah, bah ouais, bonne app. Bah, bien sûr. C'est quoi? C'est avec aux légumes. C'est trop bon. De toute façon, les alternatives VG vegan, on peut plus dire en 2021 que c'est pas bon. Hein. Vraiment, il y a des trucs super bons. Bah, bonne app. Tu me donnes bien envie. En plus, j'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai rien mangé, je sais pas ce que je vais manger et quand. Alors ça vraiment, Reverse Tigers, je crois que c'est connu mais... Ouais, encore une fois, hein, je répète, mais Super Lucky's Tale, celles et ceux qui ont le Game Pass, n'hésitez pas. Il est vraiment super. Aventure, exploration, plateforme, vraiment trop bien. Ça vous tente ce genre de truc, ouais? Genre Street of Rage et tout. Courgette oignon, oh, ça va être trop bon. Avec sauce tomate plus sauce grecque, un peu genre yaourt nature. Ah oui, je vois. Un petit goût crémeux, ça fait plaisir. Ah, ça va être trop bon. En plus, t'as dû bien les cuire du coup pour que ça soit bien crémeux. Ah, ça va être trop bon. De toute façon, tout ce qui est à base de courgettes cuites, c'est tellement bon. Les courgettes, c'est incroyable. Rien de foufou à mon goût. Ouais, ça, à ton goût pour Reverse Tigers ou pour l'ensemble de la présentation? Il reste pas beaucoup de temps d'ailleurs, je me demande si c'est pas le dernier. Je pensais que j'avais pas trop aimé, mais trop pas en fait. C'est mon copain qui les a fait. Ah, c'était le copain qui a fait en plus. Ah bah trop bien. Attendez, là, il y a plein de... Ah! Ah! Timeline! Incroyable! Ils vont présenter Timeline. Ça, je l'ai fait sur Switch, sur Steam, je vous en avais parlé. Un jeu incroyable, incroyable, que je voulais vous remontrer. Ça, c'est Non-Star, ouais. Et si jamais vous n'avez pas de PC et tout, sur Switch, il va sortir, a priori, là, sur Switch. Il est trop... Alors, en plus, sur Switch, ça doit être trop bien s'il y a du tactile. Il est trop bien, vous allez voir, ça c'est Chicory ça. En général, Loco m'a hype quand même. Ouais, Loco ça a l'air pas mal, mais du gruyère dessus. Bah oui, un petit peu. C'est pour ça qu'il a perdu son bout de doigt. Comme ça, Donsar. Ouais, Donsar, j'ai jamais testé. Ah, c'est pour ça qu'il a perdu son bout de doigt, c'est pour les lasagnes. Dur. En coupant les courgettes. Loco et le jeu avec les deux sœurs. Et pas Endling? Ça vous tente pas Endling? Le jeu avec les renards? Le jeu avec les deux sœurs, ouais, Alisha, ouais. Bon là, dans tout ce qu'ils présentent, rien ne m'intéresse. Ah voilà, Timeline. Regardez bien. Trop bien ce jeu, trop bien. Vraiment, j'ai adoré. Et il est difficile, mais en même temps, quand tu y arrives, c'est vraiment trop bien. Ah, celui-là, je voulais le faire sur PC aussi. Mais ça dure 2 heures, je crois. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Et en troisième, le jeu avec le renard. Si, le renard. C'est beau, mais j'aime pas. Le jeu avec le renard, t'aimes pas ? Ah putain, si c'est Silksong, si c'est Hollow Knight Silksong, internet entier va s'exciter. Ouais non, c'est pas Silksong. Avec la peinture ça a l'air sympa. Ouais, Chicory, ouais. Ah non, avec la peinture, oui, le truc, le dernier là qu'on a vu, ouais. Behind the Frame, ouais. Ouais, ça a l'air cool, mais il n'y a pas grand chose à faire et ça dure pas longtemps. Où je jette le renard. Après j'ai bien aimé le regarder mais pas le faire. Ah ouais, ok. C'est pas le genre de truc qui te tente? Putain, moi c'est... Mais c'est genre... Mais moi là tu me dis tu payes 30 balles pour ça, je l'achète direct. Ah, tu le feras via moi. Ok, super. Ils ont encore trollé, tout le monde attendait Silksong. Arrête Serge, j'attends Silksong. Bah tout le monde l'attend Silksong. Hein. Là ils ont fait One More Thing, Silksong, tout le monde l'attendait. Bah non. Eh bah non. J'ai toujours pas fait Hollow Knight, hein, mais je l'ai sur absolument toutes les plateformes, mais je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas réussi à rentrer dedans et c'est difficile, etc. Mais pff, vu que c'est un monument du jeu vidéo, faudrait peut-être que j'essaye de le faire quand même. Bon bah next time. Ouais pour Silksong, ouais. Je file. Bonne soirée les patous, les gros câlins Tokyo. Merci beaucoup Redwitch. Merci encore pour tous tes beats à chaque fois. Je lui ferai un gros câlin. J'y compte bien. Et à très vite. Bon courage pour tout. Et gros bisous. Et je sais plus si t'as un chat ou un chien ou quoi, mais bisous à lui ou elle. Ou... Ce sera pas que sur Nintendo de toute façon, donc ça aurait dû être Game Awards, un truc comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Au fait... Ah, au fait, qu'est-ce qu'il y a? Cette présentation est maintenant terminée. Ouais, c'est fini. Bon, bah, franchement, on a eu du pas mal. On a eu... Je pense qu'on retient à peu près les mêmes choses. Hein. Alisha, les deux sœurs. Loco Motive. Bon, Endling, évidemment. Day One, pour moi, en tout cas. Behind the Frame, je pense que ça peut être sympa à le faire à l'occasion. Parce que c'est beau. Et Timeline, encore une fois, je vous le conseille de fou. Hein. Hydrate-toi. Ah, j'ai pas vu, pardon. C'est parce qu'il y a le... Je vois pas le chat, mais oui, oui. Bah, merci. Surtout en parlant. Bon, bah, c'était cool. À bientôt. Ouais, salut Redwitch. Merci beaucoup d'être passé. Merci encore. Hein. À très vite. Et bonne vie. Ouais, bah écoutez, j'ai bien aimé, mais bon, fallait pas en attendre grand chose. En soi, j'ai rien vu de nouveau. Locomotive et Alisha. Mais le reste, c'était des trucs que je connaissais et que j'attendais. Les remercier. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a, Gabissier? Dis-moi. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on se fasse? On se fait les DLC de Little Nightmares ou. On se fait du Animal Crossing ou on se fait quoi? T'as 25 000 patounes? T'as 25 000 patounes? Ah yonk. Tu voulais que je te les file pour les 25 000 patounes? Comme j'avais dit la dernière fois? Tu veux que je te mette le statut VIP? Comme tu te sens, perso je reste. C'est gentil, merci. Tu me dis et je te mets le statut VIP parce que comme t'étais bien là avant et que j'avais dit ça, etc. En vrai, y a pas de problème. Ça te dérange pas? Je vais pas forcer. Non, ça me dérange pas du tout. T'inquiète pas. Je l'avais dit. Hein. Y a aussi Marie et. Et je sais plus qui. Gabichuit, ton image c'est des biscuits, ouais. Ouais, c'est bon, c'est ça. Hop là, te voilà. VIP, bravo. Bravo à toi. Sinon, je te donne mes 25 000 comme ça t'en fera 50 000. C'est des biscuits, merci. Merci à toi d'être fidèle, merci à vous toutes et tous d'être si fidèles, ça me fait trop plaisir. Mais voilà, j'ai augmenté un peu le prix pour les nouveaux, etc. Parce que voilà, je me dis, s'il y a vraiment que des VIP, c'est dommage. Là, vous êtes là tous les jours quasiment, vous, donc c'est mérité. Trop bien, bah, bravo et merci. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que en fait, je me dis, Little Nightmares, on peut faire... Et puis si on le fait pas maintenant, on le fera jamais quoi. Parce qu'après en 2022, je vais avoir la flemme. Ça vous tente les DLC de Little Nightmares? Sachant que oui, demain il y a un jeu qui sort qui me tentait et je savais pas qu'il sortait demain. Il sort sur le Game Pass, ça s'appelle The Grunk et ça a l'air trop bien. Attendez, je vais vous montrer la BA tant qu'on y est. Non, The Gunk. ça a l'air vraiment sympa. Ça sort demain sur le Game Pass et donc j'ai grave envie de le faire. Ça me tente bien, oui. Pour le DLC, ok, bah trop bien. Je vais devoir y aller malheureusement. Ok Gabiscuit, bah pas de soucis, bah merci d'être passé, c'était trop bien. Hein. C'est trop bien, ça me fait plaisir. Et puis t'es pas passé pour rien, tu repars avec un VIP. Vous voyez, ça a l'air pas mal, ça a l'air joli, ça a l'air... C'est un peu Ratchet & Clank, exploration, Mario, on sait pas trop, Tomb Raider, c'est plutôt joli. C'est gratuit sur le Game Pass. Ouais, bonne journée Gabiscuit. Hein. J'espère que tu t'es bien régalé avec tes lasagnes. Ah oui, joli en effet. Ouais, t'as vu, pas mal, hein. Sur PC, en plus, ça doit être sympa. Des bisous. Gros bisous, Gabiscuit, à très vite. À demain, pour ça, a priori. Si ça te tente. Oui, ça a l'air pas mal, non? Franchement, ça me kiffait bien de tester. Reveal trailer. Là, c'était gameplay, mais là, on fait le reveal. Ça va. Salut Amy, dis donc, comment ça va? Bah ça va, on vient de regarder le Indie World. Oui, ça a l'air cool en tout cas. Ouais, ça a l'air sympa. Hein. Mélange entre Ratchet & Clank, Metroid, Mario, que sais-je, plateforme. Puis c'est joli, j'aime bien la DA. Donc je pense qu'on commencera ça demain. Comme ça on se rajoute encore un jeu, comme si on n'en avait pas assez. Je vois bien le genre de jeu où t'améliores ton gant et tout, t'obtiens des trucs pour les améliorer. Putain c'est beau. J'ai regardé un peu le début aussi. Ah t'as regardé? Il y avait des trucs sympas. Mais bon c'était juste des jeux indés quoi. Il a l'air d'avoir pas mal de biomes en tout cas. Pas que des cavernes, des forêts et tout, ça a l'air joli. Franchement. Des affrontements de boss aussi. Il l'avait présenté je sais plus quand et je sais plus où, à l'E3 je crois. Ouais franchement ça me tente bien. Genre de jeu qui me tente bien. Donc voilà les patounes. Qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on se fait Little Nightmares alors? Dans ces cas-là, si on se fait Little Nightmares, je pense que je vais stopper là et revenir direct pour faire Little Nightmares. Est-ce que ça vous chauffe? On se fait ça? Vous restez sur la page et je reviens. Nickel, ok. Je vais, avant de quitter, je vais lancer, je vais tout remettre. Je vais lancer Steam, etc. Mettre... ça. Voilà. Et vérifier pour... ça. Comme ça, je vais vraiment lancer directement, quoi. Hop, et donc... Ouais, ça risque... Ça marche. Ça marche. Ok, très bien. Bon, les patounes, je quitte 2 secondes et je reviens dans 2 secondes. Voilà. À tout de suite.